Voilà, salut à tous, donc aujourd'hui je voulais vous montrer un peu mes débuts avec 2B, c'était pas terrible, hein. Vous voyez, hein, c'est les 3 du haut, là, les 21 décembre, donc aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui pour vous, mais pour moi, et du coup je voulais vous montrer un peu la rediff de ces petits matchs, pour vous montrer un petit peu mon niveau qui est très mauvais, mais ça vous en doutez déjà, histoire de vous montrer un petit peu en situation, on va dire. Bon, j'ai fait que 3 matchs contre ce joueur là européen, donc je suis très mauvais, hein. Il m'a battu 2 fois sur les 3 fois sur les 3 matchs qu'on a fait ensemble, et même ma seule victoire c'est sur celui-ci, et vous allez voir, c'est c'est pas glorieux en soi. La chance y est pour beaucoup, hein, clairement. Donc déjà, hein, ça commence par un duel d'handicapé. Là, pour le coup, j'avais le match plus ou moins en main, et là, bam, direct, ben, je me suis retrouvé vite enchaîné. Moi, je suis la 2B normale, hein. Je suis pas la custom qui se fait mal. Je suis celle qui se faisait maltraiter là. Et qui voilà, change de côté et qui rate sa shot et se fait mettre KO. Voilà. C'est clairement pas glorieux. Là, je commence plutôt bien. Le reversal edge, un revirement edge qui est bloqué et qui ensuite passe et qui me permet de faire un ring out et d'égaliser du coup un round à 1. Et donc derrière, donc là c'est le gars en face, la personne en face qui est en train de mener complètement, hein, qui mène complètement, et qui va presque me mettre un perfect, et juste ce petit coup lui empêche le perfect, et là le combo qui se continuait, j'en fais là non, arrête. Et du coup, ben voilà, c'est là dessus il m'a clairement dominé. Et donc là c'était un peu le duel d'autiste à longue distance, et le revirement edge qui passe pas. Là, la barrière qui me protège, il mène complètement. Je me dis, ça va faire la même manche que juste avant. Et là, je me dis, il faut que je tente le ring out. J'ai pas d'autre choix, et voilà. Et le ring out qui passe, et je fais, voilà, je suis sauvé là-dessus. Et du coup, la manche finale. Où là, je me foire complètement. Je voulais faire une charge au soul et... à la place de ça, j'ai lancé mon ultra. Là, du coup, je lance mon ultra parce que je le voulais. Histoire de réduire un maximum ses PV et me donner un petit peu d'avance. Ce qui était très dangereux parce qu'après tout, lui, il avait encore ses deux niveaux de charge. Donc, et il m'a vite remonté. Donc là, il lâche sa charge soul. Je passe en dessous, plus ou moins par chance, et derrière, bam, j'essaye d'enchaîner, il bloque, je bloque, je me fais prendre derrière, et donc là, pareil, il me brise ma garde, et derrière, j'essaye d'enchaîner, il me reste juste un truc, et bam. Et il avait tenté de balancer son edge critique, et je l'ai interrompu, et du coup, voilà, j'ai gagné là-dessus, donc... C'est vraiment plus cette manche, je l'ai vraiment gagné. Ce combat, je l'ai vraiment gagné par chance, et je pense que c'est pareil avec mon autre combat. Du coup, voilà, c'est. Je suis pas. Clairement pas un bon joueur. Pour aller voir du skill, c'est pas chez moi. Du coup, je vous propose quand même de regarder les deux autres. Qui ont été des matchs unilatérales. Clairement je pouvais rien faire, enfin je maîtrise pas encore le perso, clairement j'ai pas pu jouer des masses, j'ai fait la vidéo où j'ai fait la sortie où j'ai je vous ai montré vite fait 2-3 trucs rapidos, derrière j'ai pas pu rejouer vraiment, donc j'étais assez bloqué, j'ai pas pu doser le perso,
comme je voulais, alors que ça fait 3 jours qu'il est sorti, il y a des gens qui l'ont vraiment dosé comme il faut. C'est... Et j'ai oublié les voix en jap aussi, mais... Donc là je me foire littéralement et du coup derrière bah il a plus qu'à me chaîner. Je garde même pas. Ça, la gare, la chope qui passe pas, et là c'est vraiment quelques coups histoire de dire. Et le brise garde était imparable et j'aurais dû bouger et j'ai fait le con, j'ai garde en fait. Mais bon, ça sautait sur le coup. Donc là j'arrive à plus ou moins garde, mais là je, enfin le combo qui s'arrête pas, ça m'énerve, ça. C'est un truc qu'il va falloir que j'apprenne à maîtriser. Et pareil, je relâche la garde beaucoup trop tôt et du coup ça m'en... Enfin, faut encore que je maîtrise le perso, clairement. Là, j'ai encore beaucoup trop de soucis sur le personnage et... Je sais même pas si ça enregistre ma voix. Le mec qui se rend compte au bout d'une... En fait, les quelques passes que j'ai fait, c'est vraiment histoire d'éviter la sortie, le perfect. Quoi. C'est éviter de me prendre un perfect, parce que là, je me prends 3 rondes à 0. Enfin, j'ai clairement... Enfin, c'est comme si j'avais posé la manette à côté, que le mec avait joué, quoi, ou que j'étais à AFK, ou qu'on me dérangeait, comme on a l'habitude chez moi. Voilà. Et du coup, je crois que le dernier match, c'est pareil, je me suis pris 3 rounds à 0. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à vous montrer que je me prends 3 rounds à 0? Bon, allez. De toute façon, quitte à faire. Voilà. Donc bon, c'est pas glorieux, hein. Je suis clairement pas bon joueur, mais... Mais bon, mon premier match, c'était une victoire, même si c'était par chance. Derrière, je me suis fait rouler 2 fois dessus, c'est le karma. Donc là, du coup, bah, j'essaye... Clairement, c'est poussé vers le ring out, hein, c'est... Bon, les revirements de Edge qui passent jamais... Là, j'avais réussi ma chope, j'étais content de moi, j'avais réussi à lui passer quasiment dans le dos. Et là, je sais pas pourquoi j'ai balancé un revirement Edge, qui, bien sûr, allait passer à côté parce qu'il bougeait déjà de... Ah si, ouais, ce match-là, je peux bien vous le montrer pour une chose. Le fait que je garde tellement que l'autre arrive à me péter ma garde et que je m'en rends pas compte et que... Et là c'était fini parce qu'il a vu que je préparais le revirement Edge et du coup il a juste bougé. Et... Mais il faut que j'apprenne vraiment. Là, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un brise garde. Le tir de patte qui sert à rien. Et... Mais voilà, c'est. Voilà, là, j'aurais pas dû baisser ma garde. Là, je sais pas pourquoi le coup de pied, je sais bien que j'avais pas suffisamment d'allonge, mais... L'esquive par miracle, l'edge critique qui passe pas, et là, ma garde qui est brisée une première fois, le brise-garde, et là, bam, là... Ah non, c'est pas les brise-garde, c'est pas les gardes brisées, c'était les... C'est les coups avec l'analyse de Tubi. Avec l'analyse de maximum. Mais voilà, c'est...
qu'il y a certains coups qui augmentent votre analyse de 1, 2 ou 3, et du coup ça vous permet de doser un petit peu tout ça. Et donc voilà. Donc voilà, c'était histoire de vous montrer un petit peu ça, c'était pas forcément obligé de vous montrer ça. D'ailleurs, on peut peut-être essayer de se mettre... de se trouver un adversaire en ligne pour... merde. Pour vous montrer un peu. Même si je doute... je pense me faire rouler dessus total, hein, clairement. Voilà, top. Peut-être virer ma cam, histoire de, en attendant. Mais si ça en trouve un, parce que c'est tellement... tellement relou pour trouver des adversaires, bah, surtout à l'heure à laquelle où je suis actuellement, il est 11h20. Donc voilà. Mais bon, quand on est au chômage, hein, bah, tout le temps qu'on veut. Et le problème, c'est que je suis assez limité pour tourner parce que je suis tout le temps dérangé. Je voulais faire un top métal et chaque fois j'étais emmerdé par soit mon père, soit mes nerfs. Donc... ou d'autres personnes le par téléphone, donc voilà, c'était pas forcément la joie. Et comme je vous dis, à 11h20, enfin tout à l'heure, j'avais la chance de trouver un adversaire à 10h15. Là, à 11h20, je suis pas sûr de... parce que le mec a fait 3 matchs et il est parti. Mais voilà, c'est... ah, parfait! Je suis prêt à me faire rouler dessus. Est-ce que ça sera du 2B contre 2B, vu qu'a priori c'est la grande mode en ce moment? Ah non, un killik. Ouf. Ouf. Il est déjà sur une série de 2 victoires. Ok, c'est un perso créé avec le style de Killik. Ok, ok, ok. Merde, le boss game. De tout. Ah, est-ce que je me suis pas mis à garde suffisamment tôt en fait? Sur lui, tu m'as rendu quand même. Tu m'as rendu. Il est mort. Genre, ça passe par-dessus le règlement Edge. Putain, elle est parfaite. A priori ça parle russe. Il veut pas. Bon ben on va aller voir ailleurs. Aïe 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 aïe. On va relancer la même recherche. En espérant trouver quelqu'un. Vous voyez, hein, je suis vraiment mauvais et tout. Je pense qu'il faut que je m'améliore à maîtriser les mouvements de 2B et tout pour vraiment la main. Même si d'après Kayane, il y a pas mal de trucs qui passent, certains joueurs qui vont pouvoir lui rouler dessus, mais bon,
Moi, c'est mon niveau qui est clairement pas bon. Donc, voilà. Allez, nouvel adversaire. Contre quoi on va jouer ce coup-ci? Et après, je pense arrêter la vidéo là, comme ça, ça vous fait une petite vidéo, pas grand chose. Mais. Allez! Ah putain, il a quitté! Oh, fait chier! Recherche d'adversaire. Adversaire trouvé. Oui! Connexion à l'adversaire. En attente de l'adversaire. Allez! Et il paraîtrait que du coup il y a plus de joueurs sur PC que sur. Oh putain, à mon avis c'est quelqu'un qui a masteré Fatal Ivy et je vais me faire rouler dessus, mais comme pas possible. Là déjà la différence de niveau elle est en B, je sais pas quoi, je suis en plante verte. Je sais même pas en F quoi. Attends, j'ai réussi à sauter par-dessus un truc par le miracle du Saint-Esprit. Est-ce que vous allez me voir gagner mon premier round? C'est pas gagné encore. Non. Non, je gagne pas. Je l'ai pas. J'ai parlé trop vite. J'aurais dû me baisser tellement. Putain, mais elle a une allonge. Quelle meurtre pousse quoi. Elle va me faire un vieux perfect. Voilà. J'ai rien pu faire, clairement. Et la garde tout le temps. Merde, elle a bougé. Et voilà. Bon, bah voilà. C'est sur cette magnifique défaite que je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos en espérant pouvoir maîtriser un petit peu mieux 2B d'ici là. Allez, à ciao, à plus.